Bonjour, élève musicien. Nouvel épisode de vlog, car aujourd'hui, ce soir en fait, je pars pour une nouvelle randonnée pédestre de 2 heures cette fois, donc beaucoup moins que les 7 heures que j'ai fait hier. Effectivement, hier, 7 heures de randonnée, donc on a fait 25 km, effectivement. On a fini en courant parce qu'il fallait attraper. Je voulais attraper mon train, mais finalement, au lieu de rentrer en 20 minutes, je suis rentré en 1h40, tellement il y avait de problèmes de transport. Entre la destination finale de notre randonnée et chez moi, il n'y avait que 8 km. Et j'aurais pu les faire à pied. Je serais peut-être arrivé en même temps que le transport ou peut-être avant. Bref. Ça, c'est l'Île-de-France, 14 juillet, jour férié. Bon, entre les travaux, les grèves et les jours fériés et les intempéries, c'est pas toujours facile de circuler. Donc, comme quoi, avoir ses pieds et puis éventuellement un vélo, ça peut faire gagner du temps. Alors, ça, c'est la fameuse chanson qu'interprétait Joe Dassin. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. Et ben, ça n'a pas tellement changé. Donc là, on dépasse les transports en commun. Bref, très grosse randonnée. Alors, j'ai pas assez bu, ce qui fait que j'ai quelques courbatures. Donc maintenant, il va falloir que je pense à boire un peu plus. Et ce soir, donc, ça va être tranquille puisque c'est juste 2 heures de randonnée, on va dire 2 heures de balade à Auvers-sur-Oise, en retour à Auvers-sur-Oise, là où repose Van Gogh. Et donc, si t'as pas vu le clip que j'ai fait sur Auvers-sur-Oise et les alentours, je te mets le lien en description de cette vidéo. C'est un morceau que j'ai appelé Deux Becherels à Van Gogh, puisque au début du clip, je te montre des images d'un chemin qui s'appelle le chemin Becherel, et on a terminé la balade, ou en tout cas dans les dernières minutes, on a visité le cimetière d'Auvers-sur-Oise où reposent les frères Van Gogh. Et donc le célèbre peintre et son mécène qui était son frère. Et donc ce soir, retour à Auvers-sur-Oise, donc une petite balade le soir. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire de belles images parce qu'avec l'obscurité, bon, ça va pas forcément être évident. Peut-être que je vais prendre une autre caméra, j'en sais rien, je verrai bien. En tout cas, j'avais envie de composer un autre morceau. Alors, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup réécouté les Beatles très récemment. Je me suis replongé dans les anciens enregistrements. Enfin, j'ai réécouté tous les albums des Beatles. Et il y a une chanson qu'ils ont reprise qui s'appelle Anna. C'est vraiment pas très connu, mais c'est une reprise des Beatles, hein, donc ça n'a pas été composé par eux. Et j'ai eu envie d'étudier cette chanson, et ben je trouve que il n'y a pas beaucoup d'accords, mais déjà il y a déjà des idées intéressantes. Écoute, si ça t'intéresse, je te fais donc une vidéo là-dessus. Donc on va analyser ensemble la chanson Anna, et mon portable sonne, je vais décrocher. Bon, ça s'était arrêté trop tard, trop vite, c'est pas grave. Et donc, on va analyser ensemble la chanson Anna des Beatles. Et donc, je vais peut-être, en partant de ça, trouver une nouvelle composition qui me permettra d'illustrer la randonnée de ce soir. Donc, je me mets au piano, je prends la partition devant moi, le conducteur, c'est-à-dire non seulement la mélodie, mais aussi les accords et les parties des instruments. Je sers dans un gros coffret, un gros livre sur toutes les chansons qui ont été interprétées par les Beatles. Et donc, en analysant la chanson, eh bien, je vais peut-être trouver une idée de composition. Voilà, donc il s'agit d'un morceau de Arthur Alexander, paroles et musique d'Arthur. Donc Arthur Alexander, si on veut prononcer à la française, Arthur Alexander. Voilà, c'est 1962. Et donc, alors,
C'est un morceau en ré majeur. Et en fait, il y a une alternance entre ré majeur et si mineur. Ça, c'est la première fois qu'on a commencé à... Enfin, la première fois, c'est un peu un pléonasme, mais la première fois qu'on a commencé. La première fois qu'on a introduit un accord mineur dans du rock and roll, et les Beatles sont beaucoup inspirés de ça, c'est le fait de passer de l'accord 1 à l'accord 6. Parce qu'en fait, quand on change une seule note, on passe de ré fa dièse la à ré fa dièse si, on passe d'un accord majeur à un accord mineur. Parce que ré fa dièse la, c'est un accord majeur. Et ré fa dièse si, si on range en tierce, ça fait si ré fa dièse. Et donc ça, c'est un accord mineur. Donc en fait, si on prend Ré majeur et qu'on rajoute le Si, on a Si mineur 7. Bon, Ré majeur, Si mineur, donc c'est une alternance de clair-obscur. On a un son clair avec l'accord majeur et un son obscur avec l'accord de Si mineur. Voilà, ou un peu mélancolique, on va dire. Donc, alternance de clair-obscur. Donc l'intro, elle commence comme ça. Ré majeur, Si mineur, Ré majeur, Si mineur. Et même dans le thème, ça commence comme ça, en fait. Ça fait... Ah, il joue quand même le Si sur Ré majeur, ça c'est la sixte, et ça appelle en fait l'accord de Si mineur. Fa la Si, Fa la Si, après Si mineur. La Ré Ré Do, La La. Bon, désolé pour ma voix, j'ai la voix un peu enrouée, mais donc je te refais ça sans chanter, ça va être plus simple. Alors là, donc il fait le Si sur Ré majeur, Si, La, Ré, après. Et là, Mi mineur, qui est en fait le 2 dans Ré majeur. Le 5. Donc on a un 2-5-1 qui est traditionnel du jazz, hein, ça. Donc. Donc tout le thème, ça fait fa la si. Ah pardon. Ah oui, c'est ça, c'était bon, je recommence. Là, il reprend Si mineur. Encore Si mineur. Ré majeur. Et on reprend le thème. Et après, il change, puisqu'en fait, Ré majeur, c'est aussi le cinquième degré de l'accord de Sol majeur. Donc, ça, on peut dire que si on prend Ré 7, ça peut se résoudre. Le Ré 7, il se résout sur Sol majeur. Et comme ça, il passe en Sol majeur cette fois. Et là, il joue donc le. Avec.
Avec le fa dièse, qui est la septième majeure de sol, mais qui est une note de sol majeur. Non, pardon, c'est un do bémol. Ah non, c'est. Ah non, non, ça vient d'un do dièse, puisque. Quoique. Ah non, il joue un do dièse, d'accord. Ok, ouais, donc ils sont toujours en ré, mais ils jouent quand même. Ah, ils jouent quand même le do dièse, assez étonnant. Ok, donc on n'est pas tout à fait en sol majeur. En fait, on reste en ré, mais. Ouais, bah en fait, c'est comme s'ils prenaient le quatrième degré de ré. Ouais, c'est une alternance 1-4 en fait. Ça vient du blues en fait. Donc, alors en fait, ça fait ça. Pardon. Et là, Mi 7, l'accord de Mi 7 qui permet d'arriver à La majeur, qui est lui-même le cinquième degré de Ré majeur. Donc en fait, c'est une substitution, c'est un enchaînement en fait de cinquième degré. Donc on a le Mi qui approche La majeur. Et ensuite La majeur. Et là, il fait une descente, une gamme, tout simplement, il descend la gamme de Ré majeur. Et il reprend le thème en Ré majeur. Etc. Ok? Donc, voilà, ça s'appelle Anna. Et donc, bah, je ne vais pas forcément reprendre exactement stricto sensu tout ce qui a été fait. Mais ce que j'aime bien, c'est me servir d'une idée dans une composition et trouver moi-même une autre compo avec d'autres idées. Et là, spontanément, je pense à autre chose, c'est-à-dire plutôt que de faire une alternance entre le premier degré et le sixième degré. Bon, il y a une alternance que j'aime bien, c'est entre le premier degré et le troisième degré. Voilà, j'ai toujours aimé ça. Et alors, donc le troisième degré en ré majeur, c'est fa dièse mineur. Donc ce serait ça. Waouh, ça j'adore ça. Je sais pas pourquoi, ça, c'est peut-être plus mélancolique, je n'en sais rien. Mais j'aime beaucoup quoi. Donc si je joue ré majeur, et fa dièse mineur 7. Ça vraiment beau. Pareil, hein, je change qu'une note, hein, au lieu de faire Ré majeur, je change le La en Si, ça me donne Si mineur, bah, je prends Ré majeur et j'en change le Ré en Do dièse, ça me donne Fa dièse mineur. Donc c'est l'alternance 1-3. Donc je vais essayer de trouver un thème. Bah, en fait, j'en ai. Ouais, je vais. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un thème. Par exemple, ouais, pourquoi pas? Fa mi la. Et puis alors avec fa dièse mineur. Ah, il y a une note qui marche bien sur le. Puisque là, je sais que dans la chanson là, de Anna. Il utilise de temps en temps la septième majeure, il utilise la sixte sur un accord majeur, il aime bien utiliser les tensions. Il y a une note qui sonne super bien, c'est la onzième juste ou la quarte juste sur un accord mineur. Donc on... Ah, super, super, ça marche bien ça. Donc là, en fait, j'utilise la quarte
ou la, voilà, la carte, ou la, on va dire la 11e, puisque elle est au-dessus de la fondamentale, elle est au-dessus du. Enfin bon, peu importe, hein, c'est arrivé au même en fait. Donc le si, et donc la 11e juste, et la 9e majeure, et ensuite la tierce mineure de fa dièse mineur. Donc ça ferait, j'ai dit quoi déjà? J'ai dit quoi déjà? Il fait dièse mi là. Ok, je vais le noter. Voilà, donc fa dièse mi là. Alors rythmiquement, pas des 1 et 3, pas des pas des pas des je fais beaucoup de syncopes. Ti de da. Tu vois, on est très loin de A. Mais bon, c'est ça qui m'a donné l'idée. Ah, donc là, il fait 1, 6. Après, il fait presque la même chose, 1, 6. Donc, fa, mi, la, 6, la. Donc là, il fait, en fait, au début. Ah oui. Donc en fait, le thème c'est 1, 6, 1, donc c'est 1, 6, 1, et après de nouveau 6, 1. C'est pas exactement ce que j'ai fait moi. Si c'est un pas, en fait, ça fait 6-1, 6-1, 6-1, ouais. Là, je termine sur le 3. Il aurait fallu que je termine sur le 1, en fait, pour respecter la structure de la chanson. Non. Fa, mi, la, pa, da. Alors je peux peut-être faire ça, un 2. 2 c'est mi mineur. Alors. Pas des bas, pas de je sais pas. Sol, la, fa. Pardon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je cherche, hein, là je suis en plein live là. Pas des pas, ouais, c'est pas mal. Pa, sol, la, fa, dièse.
En fait, je me viens de me rendre compte que le sol dièse, il n'est pas dans Ré majeur. Mais je l'ai utilisé comme approche, c'est une appoggiature en fait. C'est vachement joli en fait. Voilà. Ce qu'on peut faire avec trois accords, bon sang. Ta pa 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 da pa 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 bi ba bé. Voilà. Bi ba bé. Là, je fais juste 2-1, ce qui est très curieux. Enfin, c'est pas une vraie cadence, hein, mais c'est pas grave, ça marche bien. Je note tout au fur et à mesure. Hein. Sol, la, c'est changer un peu de rythme parce que j'ai déjà fait une compo là-dessus, je fais que des syncopes. Ce serait bien de changer un peu, d'en sortir un peu parce que sinon je vais faire que ça bientôt. Oh, c'est bizarre quand même de faire mi ré mi directement. Mi ré mi. Ah oui, j'ai qu'à faire la majeure. Comme ça fait 1, 3, 2, 5. Ouais. 1, 3, 2, 5. Je sais pas, on va voir ce que ça donne. C'est un peu trop clair pour moi. N'importe quoi. non mais j'ai trouvé des idées, hein. Pa da pa pi de da 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 ta de 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 pa be pa pa de da ti de da. Ah, peut-être que plutôt que de faire pas da da, je vais faire pas changer un peu le rythme. Pourquoi pas là, ouais, là, basse do dièse, c'est pas mal ça. Ouais, pourquoi pas. Est-ce que si je prends do dièse, l'accord diminué, je sais pas, on peut essayer. Ouais, c'est très obscur, hein. Oh non, c'est trop. C'est moche.
Bon alors, je suis un peu bloqué là, mais je vais me débloquer, hein, donc... On peut faire ça aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait que le mi? Oh, ça fait un peu trop conclusif, ça. Mi, fa, ré. Ouais, pourquoi pas terminer sur si mineur, comme ça nous ça rappelle l'idée de Anna et ça fait un 6 mineur 1 quoi. Donc fa bam 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 bada bada bam bam. Ouais, c'est pas mal ça. Alternance de noir pointé croche et syncope. Pardon. Recommence. Alors, en fait, lui fait 1, 6, 1, bon, c'est un peu loin, hein. 1, 6, 1, 6, 1, puis après 6, 2, 5, 1. Et après encore 6, 1. Bon, on peut faire un truc dans ce bout-là. Donc, il y a combien de mesures au début là? Il y a 16 ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, 12 mesures. Bon. C'est pas très tellement important. Ça, ce qu'il faut, c'est donc c'est faire non, il fait juste un thème, puis après il reprend. Voilà. Bon, alors donc on va faire pareil, nous, c'est d'aller au bout du thème. Il faut un truc qui, ouais, qui fâche pas 6, 2, 5, 1, pourquoi pas hein. 6, 2, 5, 1 ou 6, 7, 5, 1, je sais pas. C'est trouver quelque chose d'original. Donc en ré majeur, on a le 2, 5, 1. Six, deux, cinq, un, par exemple. Six, deux, cinq, un, ou trois, six, deux, cinq, un, on peut s'amuser, hein. Ça va faire un peu long. Ou alors on fait 1, 4. Non, le 4, il interviendra après, avec la partie en sol qui commence par sol majeur.
Là, je pense à... Ouais, je pense à... Alors, on peut faire aussi une cadence rompue, ou le faire 2-5-1, faire 2-5-6, un truc comme ça, ou... Ouais. Ça, il y a un truc. Ré mi tout simplement. Ré mi, à ce moment-là je fais la 7 sus, la 7. Comme ça le ré il passe bien sur la 7 sus. Et le mi après sur la 7. Et après on pourra prendre comme ça fa majeur, enfin ré majeur. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bah, c'est pas mal. Ça fait un thème. Ah oui, pas mal. La seconde fois, sol, fa, mi. Et la 7 partout. Donc voilà, première fois, seconde fois, tac, les reprises. Donc la première fois,
Donc la première fois dans le médium et la seconde fois dans l'aigu. Donc ça fait ça. Et là, il faut passer à sol majeur. Alors oui, ça va faire bizarre. Sol, fa, mi. Où est-ce qu'on passe à sol majeur? Où est-ce qu'on passe à autre chose? À ré mineur, par exemple. Parce qu'en fait, la 7, c'est aussi le cinquième degré de ré mineur. Sol, fa, mi. Alors on a déjà le fa dièse, on passe à fa mineur, ré mineur après. Ça fait vraiment trop dramatique, je trouve. Non, c'était pas mal de rester sur sol majeur, puis après de faire mi, la, ré, c'est pas mal ça. Essayons de reprendre un peu, de coller un peu à Anna. Coller à Anna. D'accord, bon, sans jeu de mots. Sol majeur. Fa, mi, ré, do, ré, la, avec la mineur, parce que là du coup on est vraiment en sol majeur pour le coup. Do, ré, la, un truc comme ça. Fa. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, il y a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, il y a 8 mesures avant de reprendre le thème. Donc ça peut être ça. Hein. Fa, fa, mi, ré. Ré, la. En sol majeur, on a. Do ré la, mais sur do majeur.
Je sais pas, je mettrais bien un fa bécart, je sais pas pourquoi. Parce que do, c'est aussi le cinquième degré de fa majeur. Alors là, je pars complètement à l'ouest. Je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà, c'est juste l'inspiration. Peut-être que ça va être nul, mais on va voir. Sol, fa, mi. Je sais pas où je vais là, donc. C'est bizarre quand même. Il va falloir revenir sur. Ré. Ouh là là, n'importe quoi. Ré, fa, ouais, pourquoi pas. Mi, ré, mi. Comme ça, j'ai mi 7, la 7, et je reviens sur ré majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il nous manque deux mesures. Non, il manque un truc là. Fa, mi, ré, do, ré, la. Do, ré, la. Bah aide-moi. Bon, je note, hein, je sais pas si je garde ou pas. Ah, c'est troisième degré de do majeur. Ouais, pourquoi pas. Sol, la, si. Si, qui est sur la mineur, le sixième degré. Après, sol, fa, qui est le quatrième degré. Mais fa, c'est aussi le cinquième degré de si bémol majeur. Et après, j'enchaîne sur la mineur, qui est donc le 2-5, la mineur. Ouais, ça fait ça. Donc, ça fait sol majeur. On est en sol. Moi, je suis vraiment en sol. Pas de la blague. Après la mineur, qui est le deuxième degré de sol majeur.
Do majeur, qui est le quatrième degré de Sol majeur, et qui est aussi le premier degré de Do majeur. Mi mineur, qui est le troisième degré de Do majeur. La mineur, qui est le sixième degré de Do majeur. Fa majeur, qui est le quatrième degré de Do majeur, mais aussi le cinquième degré de Si bémol majeur. Donc premier degré Si bémol majeur. Ensuite, La mineur, Mi 7, qui sont qui en fait c'est un 5-1 en La mineur, qui est la relative mineure de Do majeur, donc le sixième degré. Mais le Mi 7, c'est aussi le cinquième degré de La 7, qui est le cinquième degré de Ré majeur. Voilà, donc tout ça s'enchaîne correctement. Donc ça fait ça. Ouais, on pourrait le faire comme ça là. C'est-à-dire que, donc, reprise, da capo, seulement 2. Donc en fait, on pourrait faire ça. Donc, je te propose ceci. Je trouve que c'est bizarre quand même le passage. Do, ré, la, si, c'est bizarre, je trouve. Si la sol, si do la, ça passe mieux. Si do la. Parce qu'en fait, fa mi ré, do ré la, si la sol, si do la, ré fa, sol, sol la mi, sol, plutôt que sol fa mi, sol la mi. Et fa mi mi ré mi.
puis après, j'enchaîne avec les solos. Et puis pour la coda, je ferai sol, fa, mi, mi, ré. Bah, tout simplement, terminé comme ça. Ben voilà. Mi, sol, fa, mi, mi, ré, sol. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, sol, fa, mi, mi, ré. Très conclusif. Voilà. Donc si je refais tout. C'est pas mal. C'est quand même pendant le partie B. Je suis pas sûr de moi encore. Si la si quand même. Si la si si do la. La. Ouais. Ça la femme. Ah bah c'est beaucoup mieux, alors je refais tout.
je prépare tout ça et donc ce sera la piste d'accompagnement d'un morceau qui sera sur la chaîne un prochain jeudi, puisque maintenant je mets tous mes clips de balade, de randonnée le jeudi à 17h. Donc, alors maintenant les vidéos c'est 17h, à part le live du lundi soir, ça c'est toujours à 20h30, de 20h30 à 21h. Mais sinon, c'est toujours 17h parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre vous, vous allez regarder les vidéos à 17h. Donc je me suis dit, bah, autant mettre directement les vidéos à l'heure à laquelle vous arrivez sur la chaîne YouTube. Armo Chopin. Ok, bah, si tu as aimé cette vidéo, ch'toum, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Abonne-toi à la chaîne si tu veux être mis au courant, tenu au courant des prochaines publications. Et on se retrouve très vite. Bah, pour d'autres épisodes de vlog ou d'autres épisodes des coulisses de la création ou d'autres clips. Bref, bonne musique. À très vite sur la chaîne YouTube Armo Chopin.